one. Dans une période de crise, il y a toujours une concentration de pouvoir. Quelqu'un ou quelques-uns doivent décider. Ce lieu, c'est le Conseil européen. 1,5 million de migrants arrivant, mettons en Allemagne, dans l'espace Schengen. Est-ce que c'est une question pour le ministre, M. de Maizière ? Mais non. C'est une question pour Mme Merkel. C'est elle qui perdra ou gagnera les élections sur la décision qu'elle a prise. Et donc c'est une responsabilité très personnelle. On engage son pays. The Council is the place where compromise happens and where we adjust our own positions to those of other countries. It is really a democratic body. Voters in Europe constantly renew the composition of the European Council, which makes this work so fascinating for all of us. Aujourd'hui, les réunions des présidents et premiers ministres européens, ce qu'on appelle le Conseil européen, occupent une place centrale dans la prise des décisions en Europe. Au début, ce n'était pas du tout prévu comme ça. Les chefs d'État n'avaient pas leur place dans la communauté. La communauté européenne avait été conçue comme un système de partage du pouvoir à tous les niveaux. Et donc il y a eu une forte réticence du système à accepter ce qui serait apparu comme le collectif du leadership. En plus, la personnalité du général de Gaulle faisait peur. Et la plupart des autres gouvernements préféraient ne pas avoir affaire directement à lui. On a pris l'habitude d'avoir un ou deux sommets par an dans différentes capitales, d'ailleurs, des pays d'Europe. Mais il n'y avait aucune organisation. Et quand j'ai été élu moi-même, c'est-à-dire en 1974, j'ai trouvé qu'il fallait consolider ce système. C'était dans le salon d'Élysée. Helmut était assis à côté de moi. Et je lui ai dit, on devrait organiser quand même quelque chose d'un peu plus régulier, plus ça. Il m'a dit, mais je suis tout à fait d'accord. Puis j'en ai parlé au premier ministre belge. Et il m'a dit, non, c'est une très bonne idée. Les Anglais étaient moins enthousiastes, n'est-ce pas ? Mais tout s'est terminé par un coup d'État de Giscard, puisqu'en séance à Paris, lors du dernier sommet, qui a été le premier Conseil européen, il avait été décidé qu'on ne donnerait pas de nom à ces réunions de chefs d'État et de gouvernement. Et Giscard est sorti en conférence de presse en disant « Nous avons assisté au dernier sommet européen et nous avons participé au premier Conseil européen. » Les sommets sont morts. Vive le Conseil européen. Donc là, il y a vraiment une institutionnalisation qui commence, et à partir de ce moment-là, le traveling circus, le carrousel européen pouvait commencer. Les réunions à travers toute l'Europe, dans un château une fois, une forteresse une autre fois, parce que chaque hôte voulait montrer l'Europe comme elle était belle, et ça a duré des décennies. Les chefs d'État et de gouvernement se promenaient, c'était assez festif. Die Chefs haben es gemocht, zu reisen auf diese Weise, sich zu sehen, Land und Leute kennenzulernen. Und man konnte auch ungezwungener vorgehen letztlich. Le Conseil européen, au début, n'existait pas, puisqu'il n'était pas dans le traité. C'était le résultat d'un coup politique de Giscard à son époque, mais n'avait pas d'assises juridique. La codification est venue avec le temps, et notamment en 1986 avec l'acte unique. Le traité a en quelque sorte accepté ce nouveau-né un peu étrange et lui a donné une place dans le régime juridique. Oder man brauchte halt auch den Europäischen Rat für wegweisende Entscheidungen.
die Weichenstellung zugunsten der Erweiterung Spanien-Portugal, die Entscheidung in Richtung einheitliche europäische Akte, die Entscheidung in Richtung Maastricht, ja, mussten letztlich von den Chefs selbst getroffen werden. Und das gab dem Europäischen Rat mehr und mehr ein eigenes Gewicht. On pourrait comparer le Conseil européen à une centrale électrique. Avec une réunion, les avions qui arrivent, la vitesse, etc., les chefs d'État et les gouvernements, il y a une énergie massive, presque folle à ce moment-là. Mais le risque, c'est que ça s'évapore comme ça. Et là, le président du Conseil européen a un rôle vital pour que l'énergie d'un sommet soit transformée en action à travers toute l'Europe. C'est une aventure. Chaque fois que je commençais la réunion, je regardais autour de moi. Je connaissais bien sûr chacun d'entre eux, mais il y avait toujours ce doute. Comment est-ce qu'on peut trouver, disons, des ententes ou une entente à 28? Around the table, you have 28 real leaders. Each of them is well prepared, intelligent, ambitious, decisive. Even bossy, leading the works of such a team is a real challenge. What is, however, more important is the fact that they are almost always able to find a common thread, ready to risk or sacrifice individual interests for the sake of agreement. This is the essence of political Europe, to argue, to debate, to negotiate, but always in goodwill. The European Union is about compromise. It's never perfect. Shouldn't be unhappy about it not being perfect. It's a human enterprise. If it were perfect, I would be very afraid. The Council depends very much on member states, what kind of governments are, plus what challenges we are confronting inside and outside. Il y a des moments où il y a les conflits, etc. Mais il y a aussi des moments où ils sentent intimement le besoin de travailler ensemble et d'être et de faire l'Europe. Et c'est ça le Conseil européen quand il fonctionne au mieux. J'appelle ça le secret de la table. It's when they forget for a moment this basic condition that we are France, we are Germany, that things happen. For a moment, like when unification happened. I think it's fantastic. It's a fairy tale in a way. Un moment émouvant a été la remise du prix Nobel de la paix à l'Union européenne. Pratiquement tous les chefs d'État et de gouvernement étaient là. J'ai parlé de notre histoire, histoire de guerre de l'Europe. J'ai parlé de mon père qui a failli être exécuté en mai 1940. J'ai parlé en fait du vécu de notre histoire, pas uniquement de l'histoire institutionnelle de l'Union européenne. Je crois que tout le monde est sorti de la réunion avec ce grand souffle en soi, disons, on participe à une grande œuvre.